D'avoir tous ces bouquins à votre disposition et je peux que vous recommander de vous tourner vers cette littérature. Et donc ce que j'ai eu envie de faire, eh bien, c'est de partager mes avis sur le web, d'abord à travers un blog écrit où j'écrivais des avis sur les livres que j'avais lus, et puis ensuite eh bien, en vidéo où je disais eh bien, si j'avais aimé ou pas. Et là, ce qui est bien avec YouTube, c'est que comme on se filme en train de vous parler de bouquins, on ne peut pas vraiment tricher. C'est-à-dire que si on a aimé un livre, vous allez le voir tout de suite, il y a les yeux qui pétillent, il y a le sourire, on devient un peu plus enjoué. Enfin, moi, je suis un petit peu fofolle quand je suis en vidéo. Et quand j'ai aimé un livre, ça se voit tout de suite. Et à contrario, quand un livre ne nous a pas plu, ça va être un petit peu compliqué d'en parler. On va y aller avec des mots peut-être parfois un peu durs, mais toujours en respectant les auteurs. On peut aussi montrer aux gens les acquisitions qu'on fait, les nouveaux livres qu'on a achetés pour leur donner envie d'acheter à leur tour ces livres-là. Des tags où on va répondre à des questions autour d'un thème par rapport au livre, par exemple. Si j'étais sur une île déserte, quel livre je voudrais absolument emporter avec moi. Enfin voilà, ce sont des petites vidéos qui se veulent ludiques.